Tout bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, grade 9, nouvelle cause, chapitre intéressant aujourd'hui, chapitre c'est programming. Nous mettons un coup de... Ouais. Practical problem solving et programming. Voilà ce chapitre-là. Et nous pouvons recoder sa vidéo là. Vous êtes capable, c'est un vidéo, les élèves qui pas trop bien comprendre, les gars, regardent tout ça. So, practical problem solving and programming, unit 8. Maintenant, nous pouvons faire attendance. Nous pouvons équiper les élèves là. Correct? Stop sharing. Ramessa, ça va? Oui. Allez, Gopal la même. Présent, monsieur. Oui, Dadari la même. Vite, vite. Oui, monsieur. Baxen. Allez, vite, vite. Baxen, présent, absent. Présent. Baxan, ouais, présent. Et Aoshi? Ouais, Bahadou? Lakshita? Présent, monsieur. Jawahir? Oui, très bien. Jawahir? Vite, 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 vite. Jawahir, présent. Présent, monsieur. Sankor? Présent, monsieur. Yoshini? Présent, monsieur. Oui, Pocha? Pocha, Pata, sorry, mon frère, Pata, Venkia, Présent, monsieur. Alirait, et Priyanka, ouais, Mahmoud, Présent, monsieur. Allez, Goiram, correct, allez, tout le monde qui est présent, nous guettons Goiram, là-même, allez, Oui, monsieur. allez, nos chers inscrits, nous montrons aujourd'hui qui nous va l'expliquer. Bon, la dernière fois dans la classe, bon, là, nous pouvons recorder cette session-là, dans YouTube, je vous ai dit, programme bien intéressant, je vous ai parlé de programming, je viens de programmer, c'est-à-dire, je n'ai pas de petits enfants, là, je viens de programmer professionnel, Microsoft pour prendre pour travail, là. Allez, maintenant, programming, problem solving, flowchart, nous t'y guettons, parce que flowchart nous sert pour design un programme, nous faisons design, nous faisons ce plan. Pareil, quand un architecte fait plan, avec flowchart, nous faisons ce plan. Pour écrire un programme et dry run le très bon programme nous guettons qui arrive étape par étape mais tu montres comment créer variable tout cela variable mais tu fais flowchart tu fais pseudocode tu fais très stable semaine dernière nous t'expliquer tout cela mais aujourd'hui nous allons faire un travail spécial c'est programming voilà allez question me poser nous guettons qui élèves suivre allez ramène ça dans quel langage nous vous programmez dans les programmer ou c'est bien langage Qui l'engage nouvel programme? Non, t'as là l'eau. Cet HTML, nous tu fais un website. Ça ne fait pas nous servir un langage pour programmer. Qui l'engage nous servir? Dis-moi vite. Ramez ça dans mon écran et écrit l'engage là ce nom. Quel langage là ce nom? Comment l'appeler? Quel mot mal? Ouais, nous allons Python, soit nous allons Python. Python, c'est un programming language. C'est quoi? Un programming language. Par exemple, un langage qu'ils ont appris dans l'école anglais, français. Mais Python, c'est un programming language. C'est un langage que vous développez un programme. Vous pouvez écrire un software en ça. D'accord? Et il y a beaucoup de langages de programmation. Il y a Python, il y a VB, il y a Java, il y a C++. Il y a beaucoup, beaucoup de langages de programmation que vous développez un software. Bon, vous allez me dire ça. Qui fait nous développer un software? Nous développons une application, une app, tout ce qui app qui se trouvait dans un portable, tout cela. Du moins, nous développer ça, nous écrire ça, ce software-là. Et où nous nous servir? Je veux dire, à ce stade, ou pas pour seulement servir software, mais ou pour développer software, ou pour écrire un nouveau software qui les autres du monde pour servir. D'accord? Allez, maintenant, Python. Python, les enfants, ou capable de download software programming, là. Ça se cite ça. Python download. Ok, sinon, on va le Google it. Voilà. Vous êtes capable de download Python. Une minute, une minute. Vous êtes capable de Google it. Vous êtes capable de venir là. Vous êtes capable de Google Python. Vous êtes capable de search. Vous êtes capable de download Python. Voilà. Python, vous êtes capable de download dans ce bon site là. Voilà, download Python. Correct? Voilà. Vous cliquez là ou download. Là où download, vous êtes là, vous cliquez le download. Il peut venir un executable file, c'est-à-dire un setup, ça, setup, installation, un file d'installation, vous voyez là. Je clique là, il peut commencer à download, là, vous trouvez, il commence à download. Et là, mon open folder, moi, je vais dire ça,
file là. Il faut prendre un peu de temps pour download. Quand moi pour downloader, vous pouvez stopper. Et là, moi, je vais vous mettre là, je vais downloader. Vous finissez download, qui vous fait? Vous setup. Correct? Vous setup Python. Voilà, il n'est pas encore download. Vous finissez download, et là, nous vous setup. D'accord? Et là, nous finissez setup. Et là, Python pour venir dans nos computers. Correct? Et là, je vais vous montrer, là, nous finissez setup. Python vient comme ça. Vous là, vous trouvez là? Là. Get mon mouse côté de n'est qu'un PyCharm Community Software. Là, bon fini download, bon fini installer. Là-bas, en bas, il peut download. Correct, il peut download. Mais là, bon fini installer dans mon computer, bon gagner comme ça. Et bon rentre dans ce software-là comme ça. Bon double clic là-dedans, bon rentre là. Voilà. Là, bon peut rentrer. Voilà, il peut rentrer là. Un zoom in déconnecté, mon pensez. Il peut lag. Ok, si zoom pour lag, je vous besoin stop ça, cancel, vous besoin cancel ça download. Ok, vous pouvez finir le download ici. Ok, après ça, il y a un lag. Ok, bon, zoom in lag qui fait parce que moi je peux download dans l'enfant. Ouais, vous pouvez résoudre étonnement. Un lag, zoom in coupé qui fait parce que. Pas de problème. Oui, je vais chier là. Allez, zoom in lag. Il lag, il bloqué, qui fait il bloqué, c'est la carte à moi. Parce que moi, je peux download un gros file. Ok, vous avez remarqué, moi, je peux download un gros file là. Ok, et c'est un gros file que moi, download là, je trouve. Moi, je peux download là. Et il y a là, moi, download. Comment moi, rentre dans mon download? Moi, dans mon document là. Et là, download. Moi, fini download Python. Voilà, software là. Ça, c'est setup ça. Ok, les boulots. Je trouve, tu peux lag un petit peu. Allez, là, je peux attendre moi, je peux trouver moi. Oui, allez, right. Bon, je finis download Python. Ce setup file, ça, c'est-à-dire, un élève, s'il n'est pas capable de download, il est dans Internet côté, il est capable de lire sa file là. Là, il gagne sa setup file là, j'élève là, installer. Et installation, faire une seule fois. Pas des trois fois, faire installation. Là, on finit d'installer ou pas pour bien lire. Ok, ou quand on donne ça à un camarade, soit on garde, soit on le dit, ou quand on bien lire, ou capable de servir vite. Right? Bon, là, mon verrou de file, là, mon fini download, mais mon ordinateur est un petit peu lent. Ok? Et mon montre vous comment mon verrou installe. Correct? Si le mon download, qui mon download, ce setup, sur application. Ok? Mon fini download, ce setup, sur application, je vous trouve vite là-dedans, mon download. Et voilà, attendez, il est venu là, il n'est pas encore venu. À ce moment, vous setup. Et setup, faire une seule fois. Pas ça coûte au clic dans setup. Si ça coûte au clic dans setup, ça coûte pour installer. Je ne veux pas qu'on installe du soir, une seule fois, on installe. Voilà, vous avez trouvé là, ça, c'est installation, ça. Correct? Comment vous connaissez une installation, ça? Voilà, il faut écrire une application, ça. Correct? Voilà. Voilà, mon target, il faut garder ce property, ça va là. Ce size, vous rentrez là-dedans, vous right-click, vous garder sa file installation. Là. Il y a une executable file. Toutes les affaires qui finissent par EXE. C'est-à-dire, file là, ce nom. File là, get ce nom, il appelle Python 3.10.0 AMD 64 bits. Et .exe, .exe veut dire une executable. Tout file qui est executable, il est exécuté automatique. Ok, il est setup. Non, mais ça va être setup. Bon, maintenant, mon gars, mon setup, une seule fois, mon installer. Mon clic là, là, mon run, voilà. Mon pas pour faire tout là, mais pour me montrer mon élève comment installe Python dans votre machine. Et je finis install Python, je dis, je vais prendre programming. Ça, mon download. Mon fini download. Maintenant, Python peut installer là. Hein? Allez, on va un coup. Python peut installer. Je vais mettre un peu de installer. Bon, mon computer peut lag un petit capable. Voilà. Bon, setup in fail. Qui fait setup in fail? Parce que mon design a Python dans mon machine. Correct? Je fais next, 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 je vais installer. Là, mon rentre dans Python. Vous trouvez? Mon rentre dans Python. Et là, je peux ouvrir un file. Correct? Je close ça. Mon design écrit un file. Bon, dans Python, je devine là. Dans ça, je viens là, je crée new, je right-click, je fais new, new file, correct? Il va te faire new file, tu donnes file là un nom, tu appelles disons test, correct? Test.py. Tu vas en Python ce file pour finir par py. Et là, tu écris ton code. Et là, tu vas run lui là, correct? Allez, disons, on va écrire un code print. Ok, print, P-I-N-T. Ouvrir bracket, là, vous expliquer, et là, nous vous rendez. Mais c'est moi, si vous avez des difficultés, nous allons prendre sa classe pour run Python là une prochaine fois. Là, vous pourrez rendre explication Python.
correct? Allez, look at that, good. So, oui. Allez, maintenant, si vous avez des difficultés, Python, vous pouvez dire après. Le ça, je vous dis, vous pouvez expliquer plus comment servir Python. Ok, programming. Correct, bonnes enfants? Allez, maintenant, un site, si jamais vous avez envie de suivre ensemble avec moi, il y a un site qui explique Python plus bien. Ce site-là appelle W Free School. Vous connaissez ça, les enfants? Mon site préféré. Ok? Comment rentrer dans W Free School? Vous connaissez? Vous rentrez là. Vous googlez si vous avez des difficultés. Allez, right. Vous googlez. Une minute, le search. Voilà, mon site préféré. You Google it. W Free School, mon site préféré. Tout ce que vous avez trouvé là? Right. Je rentre dans W Free School, quand je dois rentrer, je dois apprendre Learn Python. Ouais, je casse les liens ensemble avec moi. Learn Python. Voilà. Sinon, je te suis avec moi, là, tout à l'heure, je te casse ici. Correct là? Tous les enfants correct? Allez, questions? Vous posez des questions, vous regardez si vous pouvez suivre moi. Ramez ça, ce nom vient avant. Toutes questions, pas grave pour lui. Allez, nous pose Bahadou question. Bahadou, ça va? T'es la même? Merci. Allez, qui langage programming tu peux en prendre aujourd'hui? Python. Ouais, Python. Très bien, mon garçon. Astia, qui software? Tu connais quoi pour le download Python? Oui. Tu connais quoi pour le download Python? Python.org.ca. Tu as fini download, tu as fini setup. Ok, tu as fini setup de ton computer. Dipouvin appelle ça Pitcher. Ok, le filier écrit en smart code. Bon, vous pourrez expliquer si ça ne va pas bien comprendre. Maintenant, quand nous allons prendre comment vous servir Python dans le site, qui site ça? Dis-moi qui site nous allons prendre, comment servir Python? Dans qui website nous allons prendre comment servir Python? Allez, dis-moi. Nous avons ici, on va suivre. Dans W Free School. Qui côté nous allons prendre ça? Dans W Free School. Allez, correct. Dans W Free School, nous allons prendre comment? Ok, vous allez trop vite. Les enfants corrects, dans le site appelé W Free School. Donc, nous pouvons prendre ça dans gaz programmation. Et quand nous cliquons, nous rentrons dans W Free School, tous les enfants trouvés, nous googlez W Free School, là, nous rentrons dans W Free School. Et nous pouvons learn, qui nous peut learn, tutorial for Python. Voilà, ça t'a l'aime, directement, tu pouvais aller là, comme ça, vous pensez. Allez, là, learn Python. Allez, correct, bon enfant, nous pouvons apprendre comment servir Python. J'espérais que je t'en prends avec moi. Allez. Correct, tous les enfants me suivent, nos vidéos péricotes, oui, nos vidéos péricotes, t'as l'air de cargaiser. Maintenant, first thing, nous get a good introduction. What is Python? Allez, nous get a good, un zélé pour lire ça pour moi là. Nous demandons un enfant question. Right? Après Bahadou, nous trouvons Venkia. Venkia, ça va? Mm. Allez, vite, oui, modifie. Allez, what is Python? Allez, lire les modifie dans l'écran là qui n'écrit. Python is a popular programming language. It was created by Guido van Oversum and released in 1991. Allez, what Python is used for? Qu'est-ce que c'est Python? Pour faire quoi? Web development, software development, mathematics, system script. Bon, system script, il est capable de beaucoup d'éléphants de comprendre qui veut dire system script. System script veut dire service à d'un website. D'un website, donc après, c'est Python pour script and language. Correct? Ça aussi. Maintenant, nous demandons l'autre enfant, c'est Goiram. Ça va, Goiram, ou la même? Monsieur. Allez. What Python can do? Yali? Python can be used on a server to create web applications. Oui, Python attends, can be used arrêtez. Pas décoller là. Python nous servit pour créer website. Créer une application d'un website, web application. Et un langage bien intéressant, hein? Beaucoup d'élèves pour créer une application, les fait développer website. Pareil pour moi, des fois, tu servis HTML. Après, les lances, tu supposais expliquer JavaScript. Après, vous expliquez Python. Je veux dire, Python, tu es capable de développer ton web application. Web application, c'est un software d'un website. Allez, continue. Quand tu servis Python encore? Python can be used alongside software to create workflows. Continue. Python can connect to database systems. It can also read and modify files. Python can be used to handle big data and perform complex mathematics. Oui. Python can be used for rapid prototyping or for production-ready software development. Voilà. C'est-à-dire beaucoup de place nous garder sur Python, ce qu'on en prend.
Et Python est une plateforme que tout ce cas servi dans Windows. Je te rappelle, je fais un chapitre appelé OS. Allez, si vous n'avez pas dans Windows, il y a un Mac OS, il y a un Linux, il y a un Raspberry. Bon, et Raspberry Pi, différents OS, il y a. Et Python roule dans tout ça dans OS. Et Python est pareil, un peu pratiquement anglais. Sur syntaxe, c'est-à-dire qu'il est facile pour servir, c'est-à-dire qu'il fait moins d'erreurs avec lui. Et Python il y a son interpréteur, qui veut dire interpréteur, lui-même pour translate ça dans le code qui vous écrit là. Où écrit le code? Et Python il y a son interpréteur pour translate, il pour exécuter, exécuter veut dire run lui. Ok, là où écrit le code, ou translate lui, ou il exécuté automatique pour Python. Ok, et Python il y a un langage bien moderne. Maintenant, là, il y a un code qui nous va l'emprunt. Right. Nous allons en prendre premières affaires qui vous pouvez en prendre, c'est output. Ok, une minute. Un code de Python. Une minute. Getting started. Voilà. Bon, ça, nous pouvons skip. Comment pour installer Python, je finis d'expliquer. Ici, ce qui est expliqué, il y avait compliqué. Moi, je l'explique d'une façon plus facile. Ou de Google ou download Python ou installer. Correct. Ici, là, il y avait compliqué. Nous ne pouvons pas servir ça, notre slam. Ok, il y a un peu compliqué ça, notre slam. Ne pas vous servir ça. Moi, je vais vous montrer une façon plus facile pour installer Python. Comment je vais vous montrer ça? Gettez là. Nous allons download Python depuis dans ce site là. Et nous allons vous montrer comment installer. C'est beaucoup plus facile. Correct, les enfants? Right. Maintenant, je vous prends attendance. Je pense que c'est l'élève qui est rentré. Et dans 18, c'est l'élève qui est rentré. Je vous prends cette attendance là. Gettez, c'est l'élève qui est rentré. Attendance là, print screen. Et là, le background bandelé sur attendance pour connecter son actif présent. Voilà, non. Ah bon. Faire print screen. Et là, faire print. Non, il est arrivé. Ah, il est bon là. Marqué de faire erreur là. Ok, refaire le print screen. Ça, c'est cette classe. Pour finir pour attendre ça pour vous connaître qui c'est les types présents aujourd'hui là. Hein. Ok, une minute. Voilà. Ça m'a fini garde mon attendance pour aujourd'hui. Je connais qui va nous aller tu rentrer, moi c'est lui. T'as l'air de vite ça. Ça nous minimise. Ok. Maintenant, ce qui nous montre les autres, sharing est là. On montre les autres qui commencent à download Python et ça sort fois là, nous allons run Python là. Correct? Vous allez nous bouger de ça là. Ok, vous allez nous bouger de ça. Maintenant, nous devons W Free School. Nous devons W Free School. Et syntaxe pour Python. Bon, un affaire qui est intéressant pour Python, je vais dire. Une minute, tout le monde arrive là. On se met à le syntaxe. Right, syntaxe, là. C'est ça que tu avais parlé là, ouais. Bon, voilà, syntaxe pour Python. Ouais, tout de suite. Non, on ne va pas pousser à plus ça. On ne va pas pousser à plus ça. On va pousser à plus ça. Non, non, non. Okay. Bon, dans Python, nous créons un code, et là, print hello world. Qui fait nous créer ce code là? Bon, là, ce qu'ils ont en prendre, première commande qu'ils ont en prendre dans Python, c'est print. Voilà. Comment écrire ça? Print. Et là. Là, on va montrer ça dans sa software qui appelle PyCharm là, là-bas, quand nous sommes rentrés là. Ici, nous pouvons écrire nos commandes, et là, print. Vous devez nous écrire print. Ok, là-bas, dans nos langages de programmation, c'est PyCharm. Correct? Et ici, dans W Free School, qui est de temps, il y a de temps l'idée de te rendre ça dans W Free School, comment il dit. Print, c'est une commande. Première commande, on en prend. Print. Print, qui est fait. Tout ce qui est typé en dans sa bracket là, dans sa inverted command là, il est pour output de ton écran comme ça. C'est-à-dire, ce qui vous écrit là, il vous écrit ici. D'accord? Par exemple, si vous écrivez print, vous écrivez Mr. Radar. Voilà.
Ouais, voilà, Mr. Ada. Oui, Mr. Ada. Qui vous écrit d'après toi? Les mots run code là. Ça, c'est mon langage de programmer mon écran. Print Mr. Ada. Qui vous écrit? Ici, il va pas écrire Hello World. Il supposait écrire Mr. Ada. Je vous trouver. Voilà, vous trouvez? Je veux dire, si dans un dimon sur l'écran, tu as envie de faire pareil. Qui commande, tu as servi? Tu as servi print. Qui veut dire print? Print veut dire output the screen. Qu'est-ce que écrit? Good welcome, moi écrit welcome là. Je veux dire, si moi envie welcome paraît dans mon écran, dans mon software, moi écrit command print. Je veux dire, print qui dit pour faire, dit pour output on the screen. C'est une première commande de l'enfant. Si jamais une question, tu as envie d'output de l'écran, tu veux la supporter dans son laptop, si tu as envie que les affaires paraît, toi programmer qui tu veux le faire, tu veux servir command print. Et sa commande print là, tu écrire n'importe qui ça fait dans ton bracket inverted comma, entre inverted comma, il vous paraît dans ton écran tiré. Maintenant, si dans les élèves ont une difficulté, servi PyCharm, c'est même sa software là, il y a PyCharm là, là. Si les élèves ont un problème, servi lui. Mais c'est moi là, mais tu peux faire une affaire là, une méthode. La PyCharm, je vais expliquer là, là, je copie ça là, je viens de PyCharm là, je run ça là, je paye ici là, voilà. Là, on suppose run. On est pas gagné rien là. Bon, ça pas grave, nous pouvons nous corriger. Si un élève a envie de servir ça, il peut servir ça. Soit il est capable de servir un online translator. Ça, online translator là, tu écris le code de Python ici et il run, il dit de toute façon réponse. Je veux dire, programmer, il écrit ce code là et réponse apparaît là. Il est run. Voilà. Hello world. Il y a tout un code que vous typez là et sa réponse pour paraître là. Ok? Il y a programmé à typer dans main, py là, file là sur nom, Python. Il y a programmé là appelé main, Python. Il y a le run man code ici et dans shell là, il vous donne une réponse. Il y en a deux parties dans votre écran. Un code programmé avec un code, deuxième écrit réponse là. Correct? Bon, ça c'est un online. Python. Python là, il est online ici. Je veux dire, si les élèves ont des difficultés, je vais donner ça quoi dedans. Si vous avez des difficultés à download Python, tu es capable de servir ça. Et là, je vais donner un grade 9, je vais donner ça online là, ici. Correct? Voilà, je vais servir ça online, translate là. Maintenant, nous rentrons dans notre livre. Notre livre, nous allons expliquer que Python est un langage et nous montrer comment download Python. Et on sait install Python et on run Python, on rentre dans le livre, voilà, on install Python, on fait ce shortcut, tout ça là notre livre expliqué. Maintenant ici, je vais comprendre qu'il y a un programmeur qui a écrit code dans sa langage. Et il a écrit ce code, il va run li. Il save li, il est capable de run li, il save, il donne un nom et il run li. Il run sa code là, il peut gagner un résultat. Et le résultat là, il paraît en bas. Correct? Maintenant, nous pouvons tester ça. Pour vous dire une affaire, si vous écrivez print computer, d'après vous, qui peut arriver? Qui peut arriver? Allez, nous allons essayer ça dans le online translator. Voilà, je rentre dans mon online translator là, une minute là. Ok? Vous écrivez print computer. Qui peut arriver? C'est la gardienne, moi qui peut arriver. Allez, computer. Computer, pareil. Bien, bon. Je veux dire, les mots run ici, computer pour parler. C'est-à-dire, toujours en fin de comprendre, run li. Hein? Là, il paraît, vous trouvez. Output là, une computer. Je veux dire, toi, si programmé, tu écris print. Il n'y a pas de qui ça fait, tu peux écrire dans inverted comma et dans bracket. Il peut paraître output là. Soit output, là, il peut run, il peut écrire ce qui est dans le bracket là. Je veux dire, tu n'en prends première commande, c'est print. Qui veut dire print? Output on the screen. Il y a tout ça fait qui te peut écrire ici, il peut paraître dans l'écran. Welcome. Welcome to my class. Ok, welcome to my class, computer class. Ok, computer class. Mais déjà, il vous paraît dans l'écran. Mais déjà, vous allez vous trouver. Mon rendu là. Bon, je vais faire service à translate là. Maintenant, nous continuons. Je te livre. Deuxième d'affaire. Voilà, si vous dites print one, il faut output one. Maintenant, nous faisons service à online translate là qui m'a donné. Je vais dire print one. Si vous écrivez N, qui vous écrivez, il faut output one. Et un coup de temps. Le rendu. Output one. N paraît. Si moi écris D, il faut output D. User là pour trouver D. Si moi output D 100, voilà, ennemi, non pas là. Moi j'ai besoin d'écrire là. Voilà, si moi output 200, moi j'ai dit output 200 de l'écran. Voilà.
veut dire what is print. Print est une commande qui a put dans l'écran. Allez, nous continuons notre livre. Si vous allez print 6 plus 9, d'après ce qu'il faut faire, allez, nous pouvons tester ce programme-là le online. Hein? Voilà, print, suivez ça bien. Je vois qu'il m'a bien comme résultat, je vais servir notre livre sur notre. Et je print 6 plus D. D'après ce qui vous arrive, allez, je vois. Oui. Ouais, qui vous paraît? 8. Allez, 8. Le testéri nous guette si 8 paraît. Allez, hein? Non, il n'y a pas de paraît. Qui fait il n'y a pas de paraît? Nous guette un coup de clindir. Qui fait 8 pas de paraît? Non, 15 pas de paraît. Ok. Et si vous avez un output 6 plus. Allez, un valeur, tu mettais 6 plus 9. Mais si vous avez un paraît 15, 6 plus 9 fait 15. Bon, nous allons donner un online translateur, nous guette qui est rien à nous faire. Il n'y a rien qui nous fait ici. Ouais. Dis-moi qui est rien à faire. Et bon, les deux. Ouais, exactement. Là, nous mettons inverted comma, mais il y a un texte, il reste pareil. Si nous tirons inverted comma là, il n'est pas pour un texte, il est pour un chiffre. Et il peut faire ce calcul, il vous demande sa réponse. Voilà, il vient 8. 6 plus 2 fait 8. Mais si vous dites 6 plus 9, 6 plus 9, combien, dis-moi? 15. Attendez, il y a un réel. Là, il a mopé ça. 15. Allez, ça même dans votre livre, il explique. Veut dire, si vous mettez l'idée dans inverted comma, il prend un texte. Si vous ne pas mettez l'idée dans inverted comma, il prend un chiffre. Et s'il y a un chiffre, il peut faire un calcul, il vous demande la réponse. Allez, vous réexplique ça. 6 plus 9, il demande la réponse 15. Parce qu'il prend ça 6 là avec 9 là comme un chiffre. Il fait 6 plus 9, il demande 15. Mais c'est bon, si vous mettez l'idée dans inverted comma, ça 6 plus 9 là, il n'est pas pour un chiffre, il est pour un texte. Et il y a 6 plus 9, et tu peux paraître pareil 6 plus 9. Est-ce qu'ils ont compris la différence entre ces deux-là? Si vous mettez dans inverted comma, il y a des pareil, il y a un texte, il y a un caractère. Mais c'est moi, si vous mettez inverted comma là, il peut faire living and shift. Et là, il peut ajouter, il peut faire ce calcul. Maintenant, je vous pose une question à mes élèves pour guetter si mes élèves comprennent. Ok, je vous pose des questions, je vais guetter que ça n'a là. Bon, si Zoom finit, nous vous reconnecter, nous vous mettre en session là, attendez, nous mettons un coup d'avant de finir, dans 10 minutes là. Laisse-moi réaller à la Zoom. Bon, si tu veux une session, il peut finir 4e, je pense. Ok, et là, moi si tu veux une session, en 4e, oui, on met en coin 45 minutes là-dedans, moi aussi. Correct. J'espère que vous comprenez le programming, vous pouvez écrire le code et il y a plusieurs options, là on choisit un online translator. Les élèves comprennent Python HP. Et vous pouvez translater online, ne pas servir un PyCharm, nous devons servir PyCharm. Mais disons, nous disons si les élèves ont des difficultés, nous devons servir online translator. Correct? Allez, maintenant, nous donnons notes, je vais expliquer dans ce livre. Maintenant, je vous pose une question, correct? Attends, nous rentrons dans Zoom, nous allons voir. Je vais expliquer, nous poser une question là. Correct? Voilà. Allez. Nous vous faire cette activité là. Nous allons découvrir les élèves pour capable d'avoir la réponse. Chacun se tout là. Hein? Et je vous ai répondu ça. Dans votre livre, ce devoir ça. On va bien inventer. Chacun se tout là. Et de tout paraît dans l'écran là. Bon. Nous pourrons commencer depuis. Non. Cohérent, tu finis bien. Il faut venir polygadou là. Hein? Après polygadou, chacun se tout. Allez, maintenant, nous pouvons rentrer en ligne, nous pouvons tester ce programme-là. Correct là? Allez, j'espère que tous les enfants vous suivent, voilà. Hein. Right. Right. Allez. J'espère que vous suivez, moi. Attends, je vais redemander en ligne translator là. Mon online translateur que tu étais. Voilà, mon online translateur. Correct? Allez. Première question. Allez, ça can get ce tout là. Hein? Allez, right, de commencer. 2 plus 5. Allez, si mon run ça qui répond, je m'ouvre bien. Ça se tout. Et polygadou. Qui m'a supposé gagner de comme output là? Show them you.
which Anchor show mine. Anchor, le mic qui peut arriver. Allez, Moran, ça là, 2 plus 5. Allez, Polygadou, tu peux suivre. Polygadou, pas là. Il a un. Bon, raté là. Allez, si Polygadou, pas peut répondre, Gopol. 2 plus 5, c'est Moran, qui va nous gagner. C'est voilà, c'est. Vous avez trouvé? Allez, fais diamant de réponse dans ce livre. Dans ce livre, il y a une question là-bas, je t'ai appris à lire corrosé. Et dans ce livre, si c'est dans ce livre, devant vous, je t'ai corrosé. Qui devoir vous faire corrosé, qu'est-ce qui passe? C'est activité 4. Qui passe ça? Passe 189. Activité 4. Les mauvais diables print. Ça, il y a dans mon écran, mon grand livre, mon testé là. C'est. Ok? Tous les enfants corrects là? Attends, attends, qui est arrivé là? Python in Google Shell. Aïe là. Voilà, mon Rani c'est une barre. Non, non, on fait erreur là. Allez, on fait erreur là. Bon, un message, une rentrée. Mon pape est capable de mute. Polygadou, il y a un petit problème là dans le vidéo. Doc, Polygadou. Ce problème, je me trouve là, oui. Ah, il va avec un mute, mon mute. Bon, pas grave, ok. Bon, allez, maintenant, nous continuons à causer. Maintenant, un Africain intéressant. Gopolin dit, si nous mettons 2 plus 5, il vous demande 7. Voilà. Comme ça. 2 plus 5, le moron dit, il vous demande 7. Correct. Maintenant, si vous faites ça, Gopolin, qui va arriver? Ah, évidemment. Qui va arriver, si moron ça? Tu peux écrire 2 plus 5. Bien bon. Voilà, réponse 2 plus 5. Correct. Allez, maintenant, on prend l'autre question à Stella, l'autre enfant. 10 tiers 8. Je vais d'un coup qui dit pour faire que ça n'a après Gopol. Je pense à l'autre question là, le bourrin. Allez, vite, vite, à Sten, on va pas trop perdre le temps. Allez. Là, ça n'a c'est tout après Gopol. Ça n'a rien. Potiao, si Moran, ça qui vous gagne la motif. Pater, pater, ça. Ouais. Pater de l'échat. Allez, dis-moi. Deux. Combien vous gagnez? Deux. Oui, très bien. Correct, nous on rendit là, hein, et rien qui est rien. Bon, qui fait un gars et rien capable, il y a mon copie, il n'est pas mort aussi. Bon, vous avez de retirer comme ça, le rire rendit. Non, je suis un D. Ouais, merci, merci. Voilà, D. Ok, partir correct. Pour ça, c'était une autre question. Allez, demande l'autre question qui était. 40 fois 3. Allez, 40 fois 3. Allez, qu'est-ce que tu sens ce tout là, les gars répondent 40 fois 3 fois, vite comment écrit, hein? Astérix. Celle-là c'est tout, Baxen. Baxen, combien mon bouquin est là? 40 fois 3 120. Vous avez remarqué, et multiplication dit Astérix. Allez, nous guettons si nous gagnons une réponse. Bon, réponse 5 fait pas venir. Ouais, 120. Il prend un peu de temps, nous gagnons. Vous avez trouvé, quand je vais rendre ce programme là, online Python, ça m'a fini à vous cette link là. Hein? Allez, l'autre question, après Baxen. Comment écrire multiplication astérix et division and forward slash, 100 divisé par 4. Allez, ça c'est tout, Daudari. Voilà, nous pouvons ça pour Daudari là. 100 divisé par 4. Dites comment écrire. Allez, Daudari, 100 divisé par 4. Qui réponse me suppose gain? 25. Voilà, voilà, très bien. Ok, 25. Maintenant, l'autre question que vous posez, c'est Aurélien, surtout. Ouais, Aurélien. Voilà, 5 plus 6, tiadi. Ouais, 5 plus 6, tiadi. Je vais rendre ça en ligne. 5 plus 6, c'est trouvé, j'ai fait un travail programmé. Alors, 5 plus 6, allez. 5 plus 6, après tiadi, non? Allez, combien nous gagnons la chita? 9. 9. C'était 5 plus 6, fait à 11, 11 tiadi. Fait à 9. Ok, très bien. Maintenant, nous prenons l'autre question, sans moi finir répondre, dans votre livre, vous êtes capable de mettre bonne réponse. Maintenant, regarde là, nous avons un coup de clé expliqué là.
il écrit computer, après il met un plus, après il écrit studies. Nous allons continuer à faire ça online. Comment allez-vous parler? Vous dites print. Right, nous allons écouter. Nous mettons inverted comma, avec un computer. Voilà. Et nous mettons un plus là. Right. Et nous réouvrons inverted comma, nous refermons inverted comma. Nous écrivons computer studies. S-T-U-D-I-S. Studies. D'après toi, qui peut arriver? Sans ce tout là, nous allons écouter. Mahmoud, qui supposait arriver? Il peut écrire computer plus studies. Non, il va pas écrire plus là. Il peut écrire computer studies. Sa plus là qui se roule. C'est la carrière, Mahmoud. Get no randy. Il peut écrire computer studies. Plus là qui veut dire. Bon, vous expliquez. Computer, la limite là, il va être comment? Veut dire, il y a un texte. Studies, la limite là, il va être comment? Veut dire, il y a un texte. Et sa plus là veut dire, colle ça des textes là ensemble. So join. Plus là veut dire join. So one text, join with another text. Veut dire il met des textes ensemble, il colle lui ensemble. Et ça plus là veut dire join. Veut dire computer, il a inventé comme avec un texte. Plus veut dire join. L'autre mot pour join veut dire concatenate. Concatenate veut dire colle lui ensemble, continuer lui ensemble et studies. Ok, je comprends. Allez, ma bonne bourrée, demande-toi. Plus là, qui se fonctionne? Les joints s'allument. Ouais, les joints s'allument des textes là ensemble. Très bien, mon gros. Allez, on continue à expliquer. Voilà, c'est même qu'il fait là. Il prend computer avec studies, il joint ensemble, il gagne computer studies. Correct? Mais qu'est-ce là? Moi, tu peux expliquer une affaire là. Vraiment, qu'est-ce une affaire qui m'a beaucoup fait là? Moi, tu tiens ça l'espace là, qu'est-ce là? Moi, tu tiens ça l'espace là, moi, tu tiens l'espace. Qu'est-ce là, mon gros, il colle ça des mots là ensemble. Pain à l'espace en deux. Tu trouves qu'il pain à l'espace, il colle ensemble. Mais tiens, si vous avez envie de quitter l'espace, moi, quitter un espace là, comme ça. Là, là, et vous allez quitter l'espace. Et là, les morandis, ils quittent l'espace. Vous remarquez, mon Dieu, en ligne, vous comprenez. Correct? Maintenant, je continue à expliquer, bout par bout, je vais expliquer. Print, qu'est-ce qu'il fait? Print computer, après, qu'il fait? Il met astérix D. Correct? Nous, qu'est-ce qu'il fait ça? Allez, nous, qu'est-ce qu'il fait pour faire ça? Bon, zoom in déconnecté, vous pensez que vous avez connecté. Ok, tu vois les alphabets rentrer là? Oui, on pensait oui. Maintenant, nous guider. Voilà, nous allons admettre tous les élèves. Et nous allons share nos écrans. Voilà. Nous allons share. Monsieur, vous voyez, donc, faut pas servir Google Meet, pas à temps limité. Oui, capable, vous pensez la prochaine fois que vous servez Meet. Mais tu peux dire, moi, je finis habituellement à ça, pour ça, prends moins un petit peu de temps, mais c'est moi, la prochaine fois, moi, c'est servi. Bon, là, pour le moment, liberté, c'est facile. Ouais, ça coûte pas. Ouais. Bon, dans le futur, nous vous changer, moi aussi, hein. Mais c'est moi, là, pour le moment, pas fait gagner trop pour les temps, moi, je continuer à lire pour le moment. Ok? Après, nous vous changer. Maintenant, j'ai remarqué, ici, il y a déjà une question, moi, l'écran shared, hein. Il écrit un computer, il écrit un texte, il multiplie par deux. Allez, nous allons continuer online, nous allons translate ça qui arrive. Bon, voilà, nous allons tester lui. Si nous allons faire ça code là, bon, on a encore un papier rentré, bon, d'où? Est-ce qu'il finit rentrer? Bon, ça, un texte, nous allons multiplier par 2. Qui supposait arriver? Nous allons écouter, nous allons lui. Ok, il écrit un computer deux fois. Allez, si nous écrit 3, d'après autre, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Et tu peux écrire un computer, ça texte là, 3 fois. Ok, tous enfants ils comprennent. Multiplier par 3. Ça m'a expliqué dans notre livre. Il dit print, computer, multiplié par 2, découte computer par it. Et moi, je testé ça online. Je vais montrer ça. Qui m'a écrit un computer. Allez, disons, moi, j'ai écrit mon nom. Radha Anil. Correct. Et si moi, j'ai écrit astérix. Voilà, je vais mettre astérix. C'est moi, je vais mettre 5 fois. Qui est-ce que vous faites? Pour Randy, il peut écrire Radha Anil 5 fois. Il est 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Ok? Nous avons une compréhension à commande. Là. Ça, une commande, nous le Randy. Maintenant, nous regardons dans notre livre. Nous prenons l'autre. Nous expliquons Python. Hein? Correct? Maintenant, variable. Correct? Là, c'est pour comprendre l'autre affaire. Là. Qui veut dire variable? Pareil comme dans mon article, ça veut dire x. X valait 2.
ici name bien variable. Ta place dire x qui dit name. Et pareil comment on dit x se valait à 2. Ici name se valait à combien? Ça n'a qu'à dire name se valait à combien? John. Je vais dire hein? Qui name se valait à? John. John, très bien. Et là, je vais dire print name. Qui dit pour print? Je vais dire name, je vais dire sa boîte là. Ok? Et en dans qui valait à il y a John. Et là, je vais dire print name. Je vais dire les prints qui est là dans sa boîte là. Et qui dans sa boîte là? C'est John. Allez, je vais vous expliquer, je vais vous faire ça test là. Je vais dire pareil comme dans la mathématique, de dire, tu as habitué dire, dans la mathématique, tu as habitué dire, tu as habitué dire x. Allez, ça va là aussi, nous vous faire lire. Attendez. Voilà, nous faisons comme dans la mathématique. Correct? Nous faisons comme ça. Allez. Je dire x est la valeur à 2. Est-ce qu'ils ont bien compris? C'est un peu mathématique. Et là, je vais dire print x. D'après ce qui est pour deux de moi. Allez, je vais vous combien d'élèves peuvent comprendre. Allez, x se valait dans l'article D. Il me dit print x. D'après vous, qui est pour output? Allez, sans ce tour, il me dit sans ce tour. Allez, sans ce tour là, ça va pas répondre là, c'est tout. Polygadou. La polygadou va nous suivre parce qu'il y aura un espion en retard. Allez, Jawaïa, Jawaïa va nous répondre du tout. Jawaïa ou la même? Oui. Allez, si je dis x se valait à D, par exemple dans l'article, je dis x se valait à D, je dis print x, qui va aller voir l'output de l'écran? D. Très bien, nous avons dit le guetté. D, vous avez trouvé là? Allez, si je dis x se valait à 100, correct, je dis print x, qui dit vous parler? 100. Vous comprenez bien? Allez, maintenant vous faites un petit changement. Vous pouvez demander sa question à moitié. Correct? Allez. Vous mettez. Inverted comme là, on met inverted comme là. Allez, non, on pose la question à Tushini. On va dire que c'est Tushini qui a répondu ça. Allez, Tushini, ou la même motif? Oui, monsieur. Oui, x au valeur, on dit 100. Correct? On dit print x, mais c'est moi x à la inverted comme. D'après où qui vous paraît dans l'écran user là pour trouver? La chaîne là. X. Très bien, motif. Et vous rendez, il paraît x. Maintenant, si vous avez envie, il paraît x equal to 100. Comment vous inscrire? Vous venez de print, c'est bien. Vous mettez plus. Ok? Et vous mettez x là. Qui va arriver d'après toi? Voilà. Vous mettez x equal to 100. Ouais, mais c'est lui, nous guettez. Là, inverted comment là, il pourrait se parer. Il pourrait dire x equal to. Et là, x là, sa plus là, veut dire join. Continuez même la ligne. Et valeur qui est là dans x, c'est 100. Voilà, là, nous rendons le guédé. Non, il n'en est rien là. Pourquoi? Attendez, le guédé ça écoute. Pourquoi pas bizarre mettre plus là dans le midi, John, Page, une minute pour penser. Pourquoi il jamais le virgule, une minute là? Pourquoi on fait une erreur syntaxe là? On peut expliquer ça entièrement. Devine online. Et d'après, on va pas mettre plus là, si on met virgule, ça. Ouais, voilà. Allez, get observé qui m'en fait. Si qui m'en écrit là, inverted comma là, il reste pareil, x equal to. Mais là, virgule veut dire continuer dans même la ligne, x valait. De boîte x là qui valait là, 100. Correct, vous avez trouvé? Allez, maintenant, vous pouvez rendre un autre programme là. Sans ce tour, Mati. Mati, on pose une question. On va dire x valait, mettons les. Et donc, on va dire x se valait à 2 et y se valait à 5. Correct? X se valait à 2, y se valait à 5. Et là, nous faisons ça là. Correct? On copie ça, on paste en bas. Et là, d'après toi, qui est pour écrire dans l'écran? Allez, Mati, dis-moi qui est pour écrire? Non, moi je ne suis pas pour répondre. Sophie? Oui? Qui est pour parler de l'écran si nous rendons ce programme? Non. Oui, c'est vous pas entendu? Non. Allez, nous disons encore et Sophie? Oui, c'est pas trop tentant, nous rendons le guetté.
Allez, c'est bon, il y a une affaire qui paraît là. X equal to, premier coup, X equal to 2. Veut dire valeur X là, dans X sur valeur, il y a 2. Et Y sur valeur, il y a 5. Veut dire, dès la ligne, il y a écrit des coups de print. Dès la ligne, vous parlez, print X sur valeur, print Y sur valeur. Correct? Maintenant, nous pouvons faire un autre programme, nous mettons 6 enfants là, pour comprendre. Nous mettons length. Correct? Length. L-I-N-G-T-H. Length sur valeur 2. Nous mettons width sur valeur, W-I-D-T-H. Width sur valeur 5. Et nous créons area. Voilà, area égal. Allez, d'après eux, je vais demander qui est l'écart pour répondre ça pour moi. Qui formule mon besoin mettre pour calculer l'area ici? Allez, je demande cette question-là, c'est encore. Écoute, mon curseur était qui m'a besoin écrire. Allez, c'est encore pas là. Deux fois cinq. Non, jamais moi besoin écrire deux fois cinq. J'ai moi qui m'a besoin écrire. Allez, moi, petit papa qui peut rentrer, il peut dire nous. Il n'y a pas fait 40, qui fait là? Je suis courant qui est coupé là. Ah, courant est coupé que ben là. Est-ce qu'il est dans le restop, chérie? S'il y a un petit problème, il n'y a pas fait 40. Là. Bon, il prend un peu de temps là. Bon, pas grave, on peut recorder là. Hein. Allez, arrête, on peut chier mon écran. Pourquoi courant est coupé, il n'y a pas 40. Python online. Allez. Allez, côté Xana online, là, que ça ne se fait causer, c'est encore ou la même? Non, monsieur. Allez, diamant. Length sur valeur, il y a 2. Width sur valeur, 2. Print area. Ouais. Allez, si moi écrasis ça, print area, d'après toi, qui lui vous paraît dans l'écran? Là? Le montage, c'est area. Ouais, très bien. Il vous écrit area equal to. Mais si moi mets une virgule là, allez, regarde bien, je vais mettre une virgule là. Correct, je vais continuer. Si je crée length, qui dit vous parlez? Allez, diamant. Area plus length. Area is equal to length. Non, il n'est pas pour écrire ça. Il va écrire area. Ouais, bien bon. Il va écrire area is equal to 2. Est-ce qu'il vous comprend? Allez, si je mets astérix là, je vais mettre multiplier. Regarde bien là. Je vais mettre multiplier. Et là, je vais mettre width, W-I-D-T-H. Qui peut arriver, dis-moi? Nous montrer R is equal to 10. Bien, bon. Voilà. Est-ce qu'ils ont compris? Bon, là, j'ai des petits peu de difficulté pour rentrer. On va voir si ils ont rentré. On va regarder un petit peu de problème. Monsieur, non, mais ça peut déjà vous laisser rentrer. Allez, right. Écoute, il faut que je trouve vite. Il faut que je trouve vite. Quand il y a un petit problème collection là, on va dire, un astère de l'éveil, on va. Allez. Ok, nouveau rerun, là. Je suis tombé, comprenez. Tu vas trouver. Allez, 24 est rentré. Ramez ça, on va mettre oubli là, qui fait les papiers rentrés. Le délit vini. Bon, bon. Maintenant, de continuer à expliquer. Allez. Faites-moi j'étais là, une chaîne à l'écran. Oui. Ok, de continuer à expliquer. Le online là. Voilà. Bon, la plupart des élèves, ils rentrent là, ça fait tellement là. J'ai vraiment une petite chose à faire. Allez, nous prenons notre dans notre livre. Là. Name. Name, begin valley at John. Right, non, le name. Je vais donner moi là, au moins je l'ai répondu. Oui, monsieur. Allez, je vais prendre des voies depuis dans notre livre, c'est un name. Name, il y a une variable, correct. Il peut gagner valeur John. Qui va aller, il peut gagner John. Allez, John. J-O-H-N. Correct. Maintenant, moi, si moi, je dis print. Allez, c'est un cas, je vais dire print name. Qui dit pour print? C'est un cas, je vais dire. Si vous avez qu'à répondre, John? Ouais, il vous prend John. Le bébé écoute là, hein, le testé. Correct? Run. Il vous écrit John.
Une deuxième affaire, c'est-à-dire, si moi arrivé là, mon message il va être comment? Qui va arriver? C'est vrai qu'on va dire moi. Putain, je me c'est pas le very good, tout ce qu'ils vont faire. Ouais, le very good. Allez, mon frère, ça là, il va être comment? Allez, tiens-moi là. Allez, c'est Morane, ça qui lui vous paraît. Mamoud, c'est moi qui lui vous écrire. Vous écrire un name. Très bien, tu as fini de comprendre. Maintenant, si moi j'ai envie, écrire un name is. Allez, moi écrire un name is. Je vais mettre Jimon là, ce nom. Ok, je vais mettre name is John. Ok, comment vous avez fait? Vous avez mettre une virgule là. Après, vous avez mettre name variable là, ce nom. Ah, c'est qui lui vous écrire, tiens-moi. Name is John. Voilà, name is John. Très bien. Maintenant, moi je vais écrire Welcome John. Comment vous écrire? Moi, je sens ça. Moi, je écrire Welcome. Welcome John. Voilà. Voilà, vous trouvez là? Welcome John. Correct? Allez, moi, Randy, je vais écrire Welcome John. Voilà, je trouve là-haut. Là. Maintenant, nous rentrons dans notre livre, expliquer. Là, on a écrit John, print name, ça, on a fini d'expliquer. Astia, nous met John sur age. Ok? Nous met sur age. Bon, pour mettre John sur age, nous créons age. Age, c'est une autre boîte. Et nous met sur valeur, mettons, il y en a 15 ans. Welcome, nous écrit welcome John. Et nous met un virgule. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Nous met une vingtaine de commande. Nous écrit your age. Your age. Is. Allez, qui vous a fait ça? Si vous rentrez ça, vous pouvez écrire Welcome John, your age is. Il pas pour vous. Allez, nous demande Toshini qui peut arriver là. Allez, Toshini qui peut output là si nous faisons ça. Welcome John, your age is. Ouais, il n'y a pas d'écrire age là. Correct? Mais c'est moi si vous avez envie d'écrire age là, qui vous fait? Dis-moi. Qui vous a écrit là? Vous avez un virgule, elle a écrit. Bien, bon. Très bien, top. Ça, les enfants, ils finissent de comprendre. Voilà, nous Renly, il écrit Welcome John, your age is 15. Très bien, je finis de comprendre ça, les autres enfants font des efforts. Je continue. Allez, maintenant, l'autre question maintenant. Ouais, ça, moi, je finis d'expliquer. Age, print age, texte, allez, variable, moi, je finis d'expliquer. Maintenant, nous faisons le travail, c'est input. Nous devons prendre une autre commande. Alors, nous devons prendre print. Qui commande nous devons prendre? Print. C'est ce qui nous vient en prendre input. Voilà, avec input qui commence. Correct? Quand vous avez une commande avec input et ça te ça pour paraître, là, il y a une valeur. Allez, suivez ça bien là, hein? De vous saisir ça là. Et nous pouvons écrire, nous pas pour écrire valeur là, c'est-à-dire, nous pouvons écrire input. Ok, input and commande ça. Nous pouvons écrire enter your name. Suivez bien, nous pouvons écrire enter your name. Enter your name. Correct? Alright, ça t'a l'air de vous servir. Maintenant, nous pouvons tester ce programme là qui peut arriver. Et nous pouvons écrire welcome, ça dit mon là ce nom. Voilà. Allez. Nous rendons ça, nous guettons qui peut écrire. Allez, nous demandons 20 ans. Si nous rendons ça, qui d'après toi pour arriver? Tu as l'idée, non? Enter your name. Ouais. Welcome John. Non, il n'est pas pareil, John. Là-dedans, ce qui peut arriver, user là pour gagner un droit enter ce name. C'est-à-dire, ici, name là, il n'est pas fixe. C'est-à-dire, Jimon là pour typer pour mettre une valeur. Et sa valeur qui lui mettait là, ce nom, il peut welcome lui-même. Allez, nous c'est. C'est-à-dire, user là capable de mettre ce nom. C'est là, hein? Voilà, c'est-à-dire, enter your name. Moi, je peux écrire mon nom, on m'appelle Rada Anil. Correct? Et computer là qui peut dire là. On fait enter. Ok. Il peut écrire welcome Rada Anil. Veut dire, user là capable input sa name. T'es là, name là, tu fixes, tu appelles this John. Mais l'aide input veut dire, nous avons le droit de mettre une affaire dans la boîte là. Voilà, et là. Tu te rappelles un petit peu quoi, la boîte t'es là, là-haut, là. Name, nous capable mettre, nous capable input et name. Veut dire, sa commande qui appelle input là, user là a le droit input. Ok. Maintenant, le rentre online. Mettons un autre enfant, disons Mahmoud. Mahmoud. Mahmoud, lui, il peut être ce nom. Voilà. Intérieur, lui. Mahmoud peut écrire ce nom. Il peut écrire Mahmoud. Si on bien écrire ce nom. Correct. Comme il y a là qui peut dire lui. Welcome Mahmoud.
Est-ce qu'ils ont compris? Allez. Maintenant, moi j'ai envie computer là, Mahmoud, moi j'ai envie computer là, dire enter your age. Qui m'a pour écrire? Allez, dis-moi Mahmoud, moi sans la ligne, moi écrire. Allez. Allez, ma. Ouais. Donc, age equal to, qui m'a pour écrire? Input. Input. Ouais. Et dans inverted comma, dans bracket, qui m'a pour écrire? 14. Non, vous pouvez écrire enter your age. Correct? Et voilà. Maintenant, qui vous pouvez écrire print? Print. On peut vous dire Mahmoud's age is. Comment vous pouvez dire Mahmoud's age is? Et dire, vous pouvez écrire Mahmoud's nom. Voilà. On met un virgule. On peut mettre age. Is. Et là, on met virgule. Qui m'a pour écrire? Allez, ça me demande ça, Sophie. Qui m'a pour écrire, Stéphane? Computer là, vous dire enter your name. Vous pouvez écrire Mahmoud. Il vous dire welcome, Mahmoud. Et là, computer là, qui vous dire enter your age. Mahmoud pour mettre cela. Et computer là, qui vous dire Mahmoud? Age is. Allez, qui m'a besoin d'écrire là, Sophie? Virgule là. Vous avez écrire age là. Et là, c'est un run. Voilà. Allez, nous avons un coup de pouce Sophie là. Ok, et comme tu es là qui peut dire attends Sophie. Allez, dis-moi qui te veut trouver la chaîne là. Comme tu es là qui peut dire attends. Enter your name. Ouais, allez, Sophie pour écrire ce nom. Comment écrire Sophie? S-O. Allez, comment écrire Sophie ce nom? S-O-P-I-E. Et bon là, moi bien écrit. Oui. Allez, allez. Alors, c'est si vous pouvez enter, computer là qui vous dit. D'après toi. Il vous dit welcome, Xana. Radar, non? Non, c'est tout. Allez. Et là, computer là, qu'est-ce qu'il dit? Attends, il y a un erreur. Pourquoi il y a un erreur? Quelle erreur là? Computer là, attends, nous regardons qu'il y a une erreur. Un erreur. Enter your name, c'est Sophie. S-O-P-H-I. Et computer là, il dit welcome Sophie. À ce computer là, qui est dit enter your age. Qui l'a joué dans Sophie? 14. Allez, rate. Nous avons 14 ans. D'après ta computer là, qui vous dit à ce je vais faire une erreur à la computer là, tu vous as dit c'est Sophie, age is 14. Tu vous as dit ça. Mais nous trouvons une erreur, il n'y a pas de dire ça. Et là, regardez côté réel a été. Pensez-tu bien qu'il y a l'espace là encore? C'est Eli, nous l'aider. Nous rerunner. Enter your name. Sophie. Welcome. Sophie n'a 14 ans. Ah, lui m'a assez à ce thème. Encore, il y a un problème l'espace. Vous avez trouvé? Allez, check sa programme là bien. Allez, les enfants pas trop comprendre. Input qui lui fait. Input, les dimon, ce qui te écrit dans input, il paraît dans l'écran. Enter your age. C'est moi, du moins là, écrit à l'ITP. L'ITP, quand il y a le CV, il y a le CV dans sa boîte qui appelle NIM là. Sophie, il garde dans NIM. Et là, il y a print. Welcome, Sophie. Et là, il dit Sophie Solar. Sophie David Solar, il garde dans sa boîte qui appelle age là. Et là, il écrit là. Sophie, age is 14 ans. Bon là, Sophie, tu veux comprendre? Oui, oui. Allez, allez, allez. Mais vous savez continuer le programming là? Mais vous savez expliquer encore? Ça n'a fini expliquer, ça n'a fini expliquer. Ça m'a expliqué enter et name, Paul. Et lui parler de Paul, moi je finis expliquer ça. Allez. Voilà, alors je vais user to enter et value variable name. Ça aussi, moi je finis faire. Ah, peut-être. Maintenant, allez, nous continuer. Écrire le programme. Allez. Moi, j'ai envie d'écrire un programme que nous disons enter length. Length pour gagner valeur et nous enter pour calculer l'area. Comment nous faire ça? Nous fasse tout ça là. Right? Maintenant, nous posons question de Jawahir. Nous avons un programme pour calculer l'area with square. Correct? Jawahir ou la même? Allez. Oui, pour calculer l'area with square qui vous vient? Length. Ok? L-I-N-G-T-H.
Okay, nous disons equal to. Comment nous pouvons utiliser la chip length sauvalia? Nous avons servi qui commande? Input. Qui commande nous servi? Input. Allez, dans input, qui nous pouvons faire? Nous pouvons enter qui nous pouvons utiliser là. Enter quoi? Enter length. Enter length. Allez, allez. Si nous rentrons ça qui arrive, nous pouvons utiliser la enter length. Allez, so length, les 5. Il n'est pas calculé l'area. T'es d'accord, moi? Maintenant, si nous avons envie de calculer l'area, qui nous peut écrire? Print. Envoyer dans l'écran. Qui nous peut écrire? Print. Print. Nous ouvrons bracket. Nous ouvrons inverted comma. Nous mettons area égal. Après, nous mettons virgule là. Nous mettons quoi? Alexandre Gardiamant. Qui nous écrit ça? Comment nous calculer area of square? Area of square. Allez, qui nous peut écrire? Area of square. Ok, area of square. Qui m'a besoin d'écrire ici? Length times length. Très bien. Mon gain courage là. Length, L-E-N-G-T-H, multiplié par length. Très bien, mon gain courage. L-E-N-G-T-H. Allez, maintenant nous rendons le guide. Il dit, allez. Djama, nous mettons une valeur. Djama, qui valeur nous mettez? 50. Comme tu étais là pour nous, il y a combien d'après toi? 50 fois 50, combien de fois? 1500. Hein? Bon, il est réel là. Bon, il est réel, nous gagnons parfois à cause de l'espace, ça, vous pensez. Vous avez un problème. Que, Malik Allen. L-I-N-G-T-H. Non, le premier là. Enter Lens. Ah, L-I-N-G. Je n'en à côté. Non, ça n'a pas un problème, ça. L-I-N-G. Non, il ne pas pour faire l'erreur parce que ça, c'est un commentaire. Ah, il aurait rendu le vide. Vous pensez à quoi l'espace là qui a un problème? Bon, il met 5 ans. Aïe, on m'a fait l'erreur là. Vous avez rendu. Il m'a dit, mettre 50. 50 fois 50. Attends, il y a une erreur là. Côté réalité. Vous pensez qu'on va avoir l'espace là. Rerun. 50. Non. Trackpass Moscow. Print. Vous avez rodé vos derrière là. Length, L-I-N-G-T-H. Non. Cannot multiply sequence of non-integer. Ok. Bon, dans ce cas là, ce qui nous vient faire, c'est admis dans un. Bon, il y a rien de coding là, nous revenons là. Bon, nous prenons un autre exemple. Ok, nous prenons un autre exemple ici. Je pense que vous avez une erreur syntaxe, mon frère. Bon, pas grave. Nous prenons un autre exemple pour que nous puissions expliquer if. Correct? Allez, nous prenons un autre exemple. Nous prenons un autre exemple pour que nous puissions expliquer if. Nous pouvons dire enter mark. Vous allez voir ce point. Ok, nous disons enter student mark. Enter student mark. Enter student mark. Vous allez dans ce point. Correct? Et là, ce qui ne vous print, c'est l'élève là, il a passé ou bien il fait. Voilà, si l'élève là passé ou bien fait. Alors, nous allons tester là. Enter l'élève dans ce point, 50 points. Il passe. Et c'est moi, le type j'avais dit dans if. J'ai déjà dit if, ok, mark, plus grand ou égal, combien? Plus grand ou égal, combien? 40 points, ok. Si un enfant gagne plus que 40 points, et comment écrire lui? Voilà, il écrit if mark plus grand que 40 points. Il y a là, met une colonne là, là print pass, ok. Else, met colonne du print fail. Voilà, vous savez ça. Là. Voilà, met colonne comme ça. Met colonne comme ça, des points. Il y a là, il pour print pass. Else veut dire si il n'est pas vrai, il peut print fail. Et comment il peut print fail? Il copie ça, il peut ici en bas. Voilà, mais c'est. Il est 5, oui. Voilà, si un élève a plus que 40, il passe, et moins que 40, il fail. Non, il en est réel. Plus que 40. Écoutez, réel, mon vieux. Thank you.
print là, print pas ça avec l'espace. Non, la mettre print pas ça après elle ça. Ah, il nous guide commande là, écoute, parfois il n'y a pas de commande là. Oh, il y a l'espace là. Capable, à une série. Pourquoi là il y a l'espace là? Il a aussi un espace. Ici, là. Voilà, instead, c'est un point à 50. Combien de minutes restées là? Il finit la zoom là aussi? Il faut reloguer là. Combien tu fais? On finit là? Il y a pour y rentrer là, non? Ça m'en met dans l'autre session. Il est rentré dans le jeu. Encore au son. Allô, allô. Allô. Allez, nous devons continuer de travail là. Hein. Il y a beaucoup de travail. Pêcher à l'écran. Presque arrive la fin, mais c'est bon. On peut rentrer. Non. Car on va faire le même code. On est pas désolé, pas de réussir à rentrer. Attends, il y a un peu de rentrer. Ok, 24, réussir à rentrer. Bon, on a poussé une code là. Oui, ben, ça va pas réussir à rentrer dans le français. Ah, je suis rentré. Allez, nous continuons. J'essaie de rendre un peu. Bon, mon chien là, mon écran est cher, oui. Ok, je vous dis ce qu'ils ont fait pratique le programming. Hein. Bon, d'une rentrée, ouais. Ok. Bon, j'ai l'équipe de rester suivre grâce à l'équipe de la vidéo, l'équipe de régler la vidéo. Donc, il y aura une rentrée. Mais j'ai dit de faire programming le Python. Bon, il y a l'équipe de download VS Code du travail, il y a l'équipe de download PitchUp du travail, il y a l'équipe de faire online là aussi. Online. Maintenant, nous mettons prendre les sur point 50 points. Et. Bon, il y a une affaire pas de m'arrasser là-dedans. Ok, vous avez voté qui fait. P-I-N-T. Ok, mais pas grave. Et. Rien là. Ah, d'accord, vous pensez, il y a qui m'a fait fuir. Ça, il est pas là. Non, il est bon là. Il faut moi. Tu sais qu'il y a une code de code là, si on est là. Il faut moi, plus grand que ça. Il faut une passe. Else, il faut une fuir. C'est mes. Et sa passe en bas là. Alors, hein, raisonnement. On va aller chez l'import. Non, non, ça, c'est le résultat, oui. On va les tests au résultat. Result là. Monsieur, c'est single inverted comma include. Ouais, parce que dans le livre, il y a une inverted comma single. Non, il y avait moi aussi. Là. Bon, pas grave. Et. Nous vous essayez, nous vous testez. Vous avez l'occasion de gagner un skin Python. Bon, vous pourrez tester ça. Vous pensez qu'il y a là bien quelque part, nous vous redis. 50. Hein, comment c'est? Bon, il n'est pas de marcher. Bon, pas grave, vous pourrez essayer ça. Maintenant, dans votre livre, des voix qui m'ont fait donner ça. Je vais programme le Python. Là, il va vous faire while loop. Prochaine classe, vous checker, for loop. Etc. Nous avons pour faire une pratique là. Ok, tout ça, on devoir là, mon dieu.
Ils ont déjà fait aller avant moi. Et je vous réponds seulement une question là pour vous. Qui est Raymond Serrant? Ok, allez, pas grave. Ça va être un devoir, mon Dieu. Mais en même temps, si on a un élève, tout va être un devoir qui est dans le livre pour que vous ayez la prochaine classe. Correct? Maintenant, on fait bien pour autant dans Google Class, dans ça, W Free School. Là aussi, je vais en prendre une petite chose, vous trouvez? Je vais sans ce code là. Voilà. Hello, Mr. Radar. Je vais rentrer dans W Free School, je vais en prendre un peu pour eux. Mr. Radar, là. Quand ça, les mots run. Voilà. Je vais en prendre comme ça. Correct, moi, vous faites un petit bout de W Free School, là, vous pouvez arrêter. Je vais les arrêter là. Maintenant, ça va parler qui a été paré. Vous retournez là. Voilà, qu'est-ce que ça dit, voilà. Insert the missing part of the code. Qui missing part paraît la print. Vous comprenez? Pour ça, output. Submit your answer. Vous corrigez. Voilà. Show answer. Vous voyez? Print. Maintenant, on retourne dans ça. Mais tu peux faire une affaire avec les narrés. Tu peux expliquer if then else. Aïe là. Voilà. Ça que tu peux re-expliquer là. Voilà. Get ça code là. Il met valeur A égale 33. Valeur B égale 100. Si B plus grand que A, il pourra output 100. Correct? Et voilà de Runly. Il pourra output B is greater than A. Voilà. Et ça code là, nous allons apprendre nous. Nous allons apprendre comme ça. Nous allons pas dans nos online compiler. Nous allons pas CP ici. On va bien comprendre nous qui est Runly. Écoute-moi. If nous bien écrire. Ouais, le chip est déjà moins d'un rien parce qu'il y a l'espace entre les affaires. Ah, mon gars, ça y est, il y a rien là. Pas ça? Ça? Ah, là. Là, mon gars, il y a rien. Après ce single command là, tu donnes un espace. Et si tu ne peux pas mettre l'espace là, le live va marcher. Ok, nous vous essayez ça là. Et là, ensuite, tu peux mettre single code là, un espace. Et là, single code. Mais c'est Randy Nouvelle. Intermark 50. Non, non. Il va marcher. Bon, pas grave, je vais te dire. Ouais. Avant le copier, il va se faire une espace là. Là. Non, vous pouvez. Un seul espace, je peux le dire. Ok, mais c'est check ça. Un seul coup de space, bon, je vais te dire. Ok. Bon, moi, vous pensez même problème de l'espace, ça. Ok. Allez, nous arrivons à la fin de nos classes. Nous vous arrêtez. C'est l'espace entre 40 avec le nom. Ouais, ça marche ça. Ouais. Attends, c'est bien. Non. Allez, bon, merci, ça va. Vous pensez même problème de l'espace. Vous allez vous dire. Je.
Allez, une minute. Non, pas ça, ça non. Après là, non, après lui d'abord. Après lui, vous. Monsieur, quatrième la ligne. Allez, attendez, ne check. Quatrième la ligne, oui, ça l'espace là. Ouais, capable de prendre la raison. Non. Allez, bon, pas grave, hein, l'espace sera oublié. Bon, c'est-à-dire dans un site Python, là, il y a beaucoup de choses ici, dans le Badiou Free School. Il y a beaucoup de choses pour apprendre. Semaine prochaine, je vous prends semaine classe, je vais vous expliquer. Voilà. Il y a une while loop, si vous voulez apprendre un peu par eux. Correct. Il y a un for loop, si vous voulez la base, sinon, etc. Bon, on arrive à la fin des classes. Là. Si vous avez des élèves online, on arrête vos vidéos. Correct, vos vidéos pour apprendre.